Madame, Monsieur, bonjour. Les drapeaux sont en berne à travers toute la République et la RDC est donc en deuil national de 3 jours depuis hier. Mais aujourd'hui, les chrétiens catholiques étaient dans les rues ce dimanche, juste après la première messe, en signe de protestation contre l'invasion des rebelles M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. À Kinshasa, comme dans toutes les provinces du pays, les marcheurs disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les détails, c'est tout à l'heure avec quelques moments forts de la journée. Et dans ce journal également, les contours du programme de l'accouchement gratuit en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Quels sont les préalables? On en parle tout à l'heure après ceci. Madame, Monsieur, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce journal magazine de ce dimanche. Nous sommes donc dimanche 4 décembre 2022. Les chrétiens fidèles catholiques étaient cet avant-midi dans les rues de Kinshasa et de toutes les provinces. Une marche catholique pour dénoncer la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, voire même l'Ouganda sous couvert du M23, mais aussi pour soutenir et encourager les FRDC au front pour défendre l'intégrité territoriale. L'heure est grave et notre pays est en danger, c'est le thème de cette marche. Les marches sont parties de toutes les paroisses pour converger vers 18 sites identifiés et nos reporters ont été sur terrain sur ces différents sites. Nous retrouvons Françoise Bouélaboua qui était sur l'avenue Bypass à Mongafula. Elle nous décrit l'ambiance sur place au départ des marcheurs. Françoise Bouéla. Derrière moi, c'est une foule de personnes engagées, déterminées à répondre à l'appel lancé par les évêques de la CENCO pour passer les messages clairs de dénoncer l'agression rwandaise, le M23, tous ses alliés, mais aussi s'opposer à la division du Congo. Nous sommes au doyenné Saint-Noé Mawagali qui regroupe 8 paroisses. Nous avons quitté le premier point de ralliement qui regroupe 3 paroisses. Maintenant, tous les participants, vous comprenez, c'est le direct, tous se dirigent vers Armée où le message sera lu devant l'assistance. Ce message très fort que l'Église catholique envoie à la communauté internationale qui reste silencieuse, selon les évêques, pour dénoncer les crimes répétitifs qui s'opèrent en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de réagir avec toutes les commissions, tous les mouvements à groupe à charisme propre, parce que nous suivons l'instruction de nos pères les évêques qui nous ont demandé de prier pour le pays et surtout de dénoncer cette complicité de la communauté internationale qui ne veut pas parler au nom des crimes qui se font en République démocratique du Congo. Notre pays reste un et indivisible. Et à ce titre-là, sur instruction des évêques, nous marchons aujourd'hui, nous les chrétiens ainsi que les hommes de bonne volonté, pour dire non à la balkanisation de la RDC. Lorsque la femme se lève, c'est toute la nation qui se lève. Notre pays est menacé. Ça ne concerne pas seulement l'Est, la RDC. C'est toute la RDC qui est malade aujourd'hui. C'est toute la RDC qui est secouée. Voilà la raison d'être des mamans aujourd'hui sur la route pour dire non à la balkanisation de la RDC. Et nous soutenons la vision du chef de l'État. Nous soutenons les vaillants militaires de la RDC qui nuit et jour se trouvent là-bas en train de combattre pour le pays. C'est une mobilisation générale de l'Église catholique avec tous ses services, avec les fidèles, les prêtres, les religieuses. Nous sommes sur la grande route. L'avenue Bypass, c'est presque tout un quartier, toute une voie qui a été dégagée pour permettre à ce nombreux fidèles de l'Église catholique, des différents services, justice et paix, commission des jeunes, bref, tous les mouvements debout, les mamans catholiques, les mamans veuves, les mamans légionnaires, tous les fidèles de l'Église catholique sont engagés pour finalement envoyer un message à tous ceux qui se battent dans l'est du pays.
La mobilisation était vraiment au rendez-vous et sur un autre site, Séverine Katanda était à Pompage Kintsuka, nous sommes là dans la commune de Ngaliema, elle est déjà sur le point de chute des marcheurs. Ngacho te disait que le doyenné de Saint-Léonard dans la commune de Ngaliema aura comme point de chute la place Brikin. Nous y sommes, vous remarquerez derrière moi, ils sont là tous réunis, différentes paroisses, des milliers de chrétiens catholiques et même la population se joint à cette marche pour dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda. Vous allez également constater qu'il n'y a pas de parti politique, ils sont tous unanimes, tous avec un seul mot d'ordre, l'unité nationale. C'est ici que le curé de la paroisse Saint-Léonard de Mboudi a dit son mot où ils sont en train de condamner tout ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, soit dans la province du Nord Kivu, en disant que les uns pour les autres, ils disent oui aux uns pour les autres, oui les uns avec les autres, oui les uns pour les autres, mais disent non aux uns contre les autres, non aux uns sans les autres. C'est ça qui a été le message principal ici sur la place Brikin. Je rappelle que la marche a eu lieu dans la paix, dans la quiétude. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu un désordre. Ils ont tous respecté le mot d'ordre. Depuis la place Brikin dans la commune de Ngaliema, Séverine Pascal Katanda, Christian Wadingana. Merci beaucoup Séverine et comme vous pouvez bien le constater, l'actualité nationale reste focus sur cette agression. Le président de la République appelle les jeunes à se mobiliser contre cette balkanisation de la République démocratique du Congo. Il a fait au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les représentants des jeunes de toutes les 26 provinces. C'était hier soir au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Pierre Kibambe, son Moïse. Après avoir eu des échanges avec le président de la République au cours d'une rencontre organisée au Palais du Peuple par le Conseil national de la jeunesse, les représentants des jeunes venus des chefs-lieux et territoires de toutes les 26 provinces de la RDC sont venus remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'attention soutenue qu'il leur accorde en aménageant son agenda pour des entretiens sur des questions brûlantes d'actualité au pays et sur l'avenir de la jeunesse. Une grande première en RDC, ont-ils souligné. Le président de la République s'est dit honoré et très ému par la marque de sympathie à son égard. Devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit pour des raisons. Vous êtes la première richesse de la RDC et vous êtes l'avenir du pays, a souligné le chef de l'État, avant de rappeler la mission dévolue à la jeunesse congolaise. Vous, jeunes Congolais, vous avez encore plus la mission de réussir dans ce que vous faites, formation, métier, profession. Vous avez le devoir de réussir parce que vous êtes une jeunesse qui n'est pas n'importe laquelle. Je l'ai bien dit, vous êtes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir à quel pays vous appartenez. Croyez-moi, chers jeunes, nous avons un pays béni. Chaque jour, moi je vous exhorte, chaque jour, avant de dormir ou lorsque vous vous réveillez, remerciez le Créateur, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez. Remerciez notre Créateur parce qu'il nous a mis sur un sol qui est totalement béni. Ce pays, si nous restons conscients, nous restons unis, nous restons organisés, ce pays va faire parler de lui dans pas très longtemps. Nous serons peut-être encore vivants pour voir ça.
Suivez simplement toute l'actualité. Renseignez-vous sur votre pays, ses potentialités. J'ai parlé de la première richesse qui est la jeunesse, ses ressources humaines. Mais regardez toutes les potentialités dont le monde a besoin aujourd'hui pour lutter, par exemple, contre le changement climatique, pour aller vers l'économie verte, la nouvelle industrie. Toutes les solutions se trouvent en République démocratique du Congo. Pour les énergies renouvelables, vous trouverez les réponses en République démocratique du Congo. Même demain, lorsqu'on parle de l'après-pétrole avec toutes ces dérivées qui sont l'essence, le gasoil et tout ça, l'hydrogène vert peut être produit ici en République démocratique du Congo. Donc nous avons les réponses à toutes les questions que se pose le monde aujourd'hui. Face à l'agression de la RDC dans sa partie est du territoire national, le chef de l'État en a appelé à la vigilance et la mobilisation de la jeunesse congolaise pour barrer la route au plan de balkanisation du pays par les envieux des séries. Et cette situation sécuritaire en République démocratique du Congo nécessite des fonds qu'il faut mobiliser. Et pour ce faire, le Premier ministre lance déjà demain au studio Maman Nguébi de la RTNC le Téléthon pour le Go de la Journée nationale de solidarité. Et c'est en faveur des victimes et déplacés de guerre en République démocratique du Congo. Suivons cet appel du directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales. Soutien aux déplacés internes et autres victimes de la guerre et catastrophes naturelles en RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalouko Ndekiengé lance ce lundi 5 décembre au studio Maman Nguébi de la RTNC la campagne nationale de solidarité et soutien aux déplacés internes et victimes de la guerre dans les provinces du Nord Kivu, l'Ituri et le Grand Bandundu. Hubert Tetika Inkalaba, directeur de cabinet de Modeste Mutinga Mutushai, explique le sens de cette campagne de solidarité. Les Téléthons étaient organisés pourquoi ? Nous voulons susciter tout simplement un élan de solidarité. Pendant la soirée du Téléthon, ceux qui veulent bien souscrire, qui veulent bien donner leurs dons, vont appeler, il y aura un numéro vert, c'est 116, je peux déjà l'annoncer d'ailleurs, et ils appelleront à ces numéros-là pour dire, voilà, moi tel, je préfère donner 1000 francs. Ça va commencer par la contribution de l'État même, parce que l'État aussi ne peut pas, l'État ne va pas venir demander de moyens ou des choses, la contribution des gens sans que lui-même fasse quelque chose. Donc l'État aussi fera sa part et après, à la fin, on saura qu'est-ce qui est entré et ça sera un début, comme je l'ai dit. Je tiens à préciser que le Téléthon se passera en une seule journée et ce sera le lundi 5 décembre au studio Maman Nguébi, hein, de la RTNC que tout le monde connaît. Et pour ceux qui vont contribuer, évidemment, nous allons déjà les remercier anticipativement et nous pouvons leur dire que seulement la patrie leur en sera reconnaissante. C'est en rapport avec le message du chef de l'État où on dit voilà, nous devons nous souder, nous devons nous entraider, plus on est unis, et plus on est fort. Notons que les fonds et biens qui seront récoltés au cours de cette campagne seront destinés à améliorer les conditions de vie des déplacés et autres victimes des conflits armés. Il faudra donc donner au gouvernement les moyens de sa politique à travers un budget conséquent. Sachez que le budget et le projet de loi budgétaire exercice 2023 a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Il est donc renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. On note une légère augmentation après examen à la commission ECOFIN. Les explications de Sylvie Moimbro. Sur 402 honorables députés qui ont pris part au vote, 402 députés ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun non plus n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2023 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 32 milliards 034,7 millions de francs congolais, soit
15,3 millions de dollars américains, un accroissement de 44% par rapport à la loi des finances pour l'exercice 2022, chiffré à 22 milliards 253 millions de francs congolais, soit 10,7 millions de dollars. Les prévisions des dépenses de la dette extérieure en capital pour l'exercice 2023 s'élèvent à 997 000 milliards 427 millions 777 357 francs congolais. Un accroissement revu à la hausse des 15 milliards 8 millions de dollars américains constaté par la Commission économique financière contrôle budgétaire lors de leur rapport présenté à l'Assemblée plénière sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapwanga. Rappel des activités déployées en semaine, le chef de l'État était face à la jeunesse pour poser le diagnostic des problèmes relatifs aux jeunes. Autre activité de la semaine déployée par le président de la République, il a présidé la cérémonie d'ouverture de l'Expo Béton, la semaine du président, avec Pierre Kibambe Somouissa. Expo Béton est à sa 6e édition. Ce salon de réflexion sur la construction et les infrastructures a convié à cette occasion le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à présider la cérémonie d'ouverture de ses travaux dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, où l'on a noté la présence du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, du Premier ministre Samalou Kondé et de plusieurs autres invités. Organisé par les sénateurs de Kinshasa, cette édition a eu pour thème principal 5 piliers pour rebâtir Kinshasa Horizon 2036, vu par les sénateurs de la capitale, à savoir l'administration, l'éducation et le tourisme, le transport, l'aménagement urbain, les infrastructures et les financements, un thème qui consiste en la reconstruction et la modernisation de la ville de Kinshasa. Toujours au Palais du Peuple, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a communié avec la jeunesse congolaise au cours d'une rencontre organisée par le Conseil national de la jeunesse. C'est une rencontre qui a permis de poser un diagnostic des problèmes de la jeunesse tout en relevant les efforts déjà fournis par le chef de l'État dans divers secteurs de la vie nationale, témoignant de sa volonté de voir les jeunes émerger et jouer un rôle moteur dans le développement de la RDC. Le président de la République a invité les jeunes à participer massivement aux prochaines élections, non seulement à l'électeur, mais surtout en se présentant aux différents postes à pourvoir. Le chef de l'État a aussi relevé les défis auxquels sont confrontés les jeunes, à savoir l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme et l'émergence d'une jeunesse résiliente et engagée, participant au développement de la RDC à travers différentes activités, notamment l'entrepreneuriat, l'innovation, l'accroissement du civisme, des valeurs citoyennes et la promotion de la bonne gouvernance. C'est désormais confirmé, le pape François arrive à Kinshasa le 31 janvier et séjournera dans la capitale jusqu'au 3 février 2023. L'annonce a été faite par Mgr Ettore Balestrero, nonce apostolique en RDC, qui a eu des entretiens le jeudi 1er décembre avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, en compagnie de quelques évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Attendu en début juillet dernier, en RDC, le pape François était contraint de reporter à une date ultérieure son voyage à la demande de ses médecins. C'est le 31 janvier 2023 qu'il arrivera donc à Kinshasa à l'invitation du président de la République. Ouverture en début de semaine du troisième round des consultations politiques présidé à Nairobi au Kenya par le président du Burundi Evariste Ndayishimiye, président d'exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, en présence de près de 200 groupes armés encore actifs en RDC. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à cette cérémonie d'ouverture par visioconférence à partir de son cabinet de travail. Le chef de l'État, père de la nation, a une fois de plus réanimé l'âme patriotique des membres de ces groupes armés qui devraient plutôt s'engager dans la voie de développement du pays. Ils ont ainsi le choix de suivre deux options, à savoir le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi.
Autre sujet d'actualité de la semaine, hausse du prix de carburant à la pompe en République démocratique du Congo, clôture de la session ordinaire du Conseil économique social de la RDC et bien entendu cette prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu la semaine en 5 minutes avec Pierre Mbuyu Saïti. L'actualité de la semaine qui s'achève a été dominée sur le plan national par la recherche des pistes de solutions efficaces à la situation sécuritaire qui se vit présentement dans la partie est du pays. Les honorables députés nationaux ont adopté pour la 37e fois consécutive la prorogation de l'état de siège dans certaines provinces de la partie est du pays. À la primature, le chef du gouvernement a déployé une série d'activités avec comme point d'orgue la réunion de sécurité présidée quant à la situation sécuritaire que connaît le pays dans sa partie orientale. Pour la énième fois, la situation sécuritaire qui se vit dans la partie orientale du pays était au cœur de briefings co-animés par le ministre de la Communication et Médias et d'autres membres du gouvernement ainsi que certaines autorités militaires compétentes. Loin de son pays et de ses terres, la première dame de la République en séjour de travail dans la ville anglaise de Londres pour participer aux assises du sommet sur les violences faites aux femmes a mis à profit son passage dans cette ville européenne pour condamner du haut de la tribune des dites assises les exactions humaines commises sur les femmes congolaises, surtout celles vivant dans la partie est du pays, victimes des affres de cette guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par les ennemis de la paix sous couvert du mouvement rebelle du M23. L'appropriation des axes phares liés à la riposte contre la guerre d'agression de l'Est a développé au sein de toutes les couches sociales de la population du pays un élan de solidarité nationale tel que prôné et souhaité par le chef de l'État, commandant suprême de nos FRDC et de notre police nationale. La concrétisation de cette marque de solidarité s'est matérialisée par une série de marches pacifiques organisées sur toute l'étendue du pays afin de soutenir le président de la République, nos voyants FRDC et surtout sensibiliser la jeunesse active à servir la nation sous le drapeau en s'enrôlant dans l'armée. En dépit de la guerre d'agression qui sévit dans la partie orientale du pays, la nation congolaise connaîtra son 4e cycle électoral. Cette ferme volonté de voir le déroulement des élections libres, transparentes et démocratiques sur toute l'étendue du pays a vu la Commission électorale nationale indépendante rendre publique la semaine dernière les principales dates du calendrier électoral. Une publication qui n'a pas laissé indifférente certains acteurs politiques qui sont montés au créneau pour soit la saluer ou soit encore la critiquer positivement. Après 3 mois d'intenses travaux en plénière, en commission et diverses itinérances sur terrain, les membres de la Commission économique et sociale ont clôturé au courant de cette semaine la session ordinaire de septembre 2022. La semaine qui s'achève a également vu le gouvernement de la République, par le biais de ses différents services compétents, procéder à la nouvelle fixation des prix des carburants terrestres et d'aviation dans les zones d'approvisionnement ouest, est, nord et sud. Comme à l'accoutumée, l'humanité tout entière en général et la République démocratique du Congo en particulier ont célébré le 1er décembre dernier la journée mondiale de lutte contre le VIH et SIDA à travers une curielle de manifestations, de sensibilisation à la prévention contre cette pandémie mondiale. Aller accoucher sans débourser un franc, c'est tout le sens qu'il faut donner au programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, des accouchements et des soins aux nouveau-nés. Quel est donc le niveau d'implémentation de ce programme du chef de l'État? Quelles sont les attentes des uns et des autres? C'est à suivre dans ce dossier de Constance Mananga. Semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements. Annoncé par le chef de l'État en juin 2022, la gratuité de l'accouchement en République démocratique du Congo est une des réponses aux problèmes de la santé maternelle et infantile. Cette mesure va certainement soulager les dépenses liées à la venue d'un bébé dans la famille et éviter les phénomènes femmes prisonnières après l'accouchement. C'est un très bon projet. Parce que si on fait aujourd'hui les statistiques des familles qui souffrent pour les difficultés de la maternité, elle est vraiment énorme. Vous trouverez qu'il y a des femmes qui sont retenues par-ci, par-là, parce qu'ils ont accouché, mais à la fin, ils traînent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas payé l'hôpital.
Ce que le président de la République vient d'offrir aux Congolais est sacré. C'est important que la maternité soit prise en charge. Pas seulement la maternité, les 1000 premiers jours comme on le dit. Seulement voilà, près de 6 mois depuis l'annonce de cette mesure sociale, les choses ne semblent pas s'aligner à un rythme régulier. L'accès à l'information sur l'évolution de la réforme est verrouillé. Au ministère de la Santé, toutes les tentatives d'obtenir des nouvelles ont échoué. Selon les bribes des renseignements obtenus auprès des structures de la société civile, annonce l'effectivité du programme pour bientôt. Cette initiative permettra à 300 structures sanitaires où on va orienter les femmes afin de bénéficier de la maternité gratuite et leurs enfants. Le travail est encore vraiment au début. Nous devons soutenir notre président. Bien sûr, je voudrais qu'il en fasse un jour une loi pour que les générations futures puissent bénéficier de cette gratuité et que ça devienne vraiment quelque chose de naturel en RDC. Vijana est parmi les hôpitaux ciblés pour la matérialisation de ces programmes. Ces centres de référence enregistrent une vingtaine des accouchements par semaine. Il lui faudra une réorganisation logistique. Nous souhaiterons que les gens qui nous ont tels que les financiers, les médicaments, les nécessaires soient à notre disposition, que chacun fait son travail tel que ça a été défini. Pour réussir les paris de la gratuité tout en maintenant les caps de la qualité des services et des soins avant, pendant et après l'accouchement, il y a des préalables. Tout ce qui est gratuit pose problème. C'est-à-dire quand il y a la couverture santé universelle, il y a quelqu'un qui paye. Que la gratuité ne doit pas remettre en cause la qualité des services. Nous étions en formation, on nous a donné des grandes lignes. La logique de tout médecin dans la vie, c'est pour soigner les malades. Là, c'est un acquis du côté technique. Le reste, ça dépendra de la partie organisateur. C'est une initiative qui est universelle par-ci, par-là. Mais à partir du secrétariat permanent, c'est à aide les canevas. Je sais absolument qu'on ne va pas les toucher avec 100 plateaux techniques confortables. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent passer par l'accouchement, par la voie haute, qu'on appelle la césarienne. Il faut avoir des médicaments, il faut avoir l'oxygène. Les médecins ont l'obligation des moyens. Ces moyens-là, ils nous sont donnés par qui? Par les malades. Maintenant, c'est l'État. Mais seulement, je continue à mettre en garde les gens qui vont faire le détournement de cet argent-là. Personnel soignant, acteurs de la société civile et bénéficiaires sont tous unanimes que ce programme va contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins pour les mères et les nouveau-nés. Près de 4 décennies après les premiers diagnostics du VIH en République démocratique du Congo, il faut toujours redoubler de vigilance pour éviter l'explosion de la propagation. Et pour le secrétaire exécutif adjoint du PNMLS, le docteur Bossiki, il a, dans une interview nous accordée, évoque les facteurs déclencheurs en République démocratique du Congo. Le curseur du VIH-Sida en RDC est parti de 1983 avec 53 premiers cas détectés. Les premiers diagnostics ont été faits en 1983 où on a dépisté près de 53 cas ici à Kinshasa jusqu'à atteindre plus de 500 000 même au-delà. Actuellement, il y a régression de la maladie certes, mais cette amélioration est compromise par plusieurs facteurs. Il y a un mais. Cette régression-là est compromise par l'apparition d'autres pandémies, notamment Ebola, les cas par exemple de la Covid. Le pays a tous les facteurs qui peuvent conduire à l'implosion du VIH, notamment la pauvreté, les jeunes ou les femmes à avoir des comportements à risque. Vous avez par exemple les grossesses non désirées avec les personnes qui ont eu le VIH, et ça veut dire que les enfants qui vont naître des mères séropositives vont être aussi contaminés. Nous avons aussi des difficultés de communication, que ce soit par voie routière ou quoi, ce qui fait que le milieu rural n'est pas tellement touché par la riposte au VIH. Parmi les facteurs encore qui favorisent la propagation du VIH, c'est la situation humanitaire qui est créée par l'insécurité, notamment à l'Est, qui entraîne déplacement massif des populations,
brisant ainsi les mécanismes, les systèmes de lutte contre le sida mis en place dans ces localités, rendant ces populations encore vulnérables par le fait qu'elles ont tout perdu, elles sont démunies, donc elles sont à la merci de beaucoup de choses. Et aussi, bien sûr, dans des cas comme ça, il y a beaucoup de cas de violence sexuelle qui sont notés. L'accès gratuit aux ARV est l'une des stratégies. 444 000 sont mis sous ARV. Les ARV sont accessibles gratuitement, mais une certaine proportion n'arrive pas à y accéder. Quels sont les défis à relever pour poursuivre la lutte contre le VIH? Le VIH reste là. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de reprendre la remontée des nouvelles infections et la remontée des décès, la discrimination et la stigmatisation qui poussent les individus à ne pas se faire dépister, crainte d'être stigmatisés, discriminés. Ça, c'est un frein au dépistage et à la prise en charge aussi. Nous devons nous impliquer, nous tous, pour que nous puissions réduire ces fardeaux de discrimination et stigmatisation pour que ceux qui ont besoin des médicaments puissent y accéder facilement dans les formations médicales. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la rencontre que le chef de l'État a eue hier avec les représentants des jeunes des 26 provinces. Félix Antoine Tshisekedi a invité la jeunesse à la vigilance et à la mobilisation face à la menace et de la balkanisation par les envieux des richesses de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal dédié aux victimes et déplacés des guerres en République démocratique du Congo. Au nom de la grande équipe du journal de dimanche coordonné par Médard Mouyal, je vous dis merci, merci beaucoup de votre attention et prenez donc rendez-vous avec une nouvelle édition. La prochaine, c'est à 22h, une édition spéciale avec Peggy Mukunda. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.